Des roses blanches déposées au cimetière mémorial de Potočari à Srebrenica, c'est un nouveau geste du Premier ministre serbe. Aleksandar Vučić refuse toujours de parler de génocide, mais il rend hommage aux 6200 musulmans enterrés ici, massacrés par les forces serbes bosniaques. Aujourd'hui, il dit vouloir célébrer la vie et se tourner vers l'avenir. Entouré des autorités musulmanes de Bosnie, il annonce une aide financière de 5 millions d'euros à la ville martyre. Je ne suis pas réticent à exprimer publiquement la façon dont je m'incline face aux victimes de Srebrenica pour leur montrer mon respect, dit-il. Car je me sens concerné par ce qui est arrivé ici. Le 20e anniversaire du massacre de Srebrenica en juillet dernier avait tourné au pugilat. Le Premier ministre serbe avait été accueilli par des jets de pierre. Des musulmans bosniens n'ont pas oublié ses propos quelques jours après le massacre. Si vous tuez un Serbe, nous allons tuer 100 musulmans.